Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a organisé mardi 11 février 2020, au Salon du Livre de Casablanca, trois événements. Une matinée jeunesse avec l'atelier Éducation et Culture, qui s'est inspiré de l'expérience Théâtre Nomade de Mohamed El Hassouni. L'atelier CCME Éducation et Culture, sous le thème Médecins, journalistes, éducateurs, étudiants des diasporas africaines du Maroc, avec Mesdames Danielle N'Golo, journaliste camerounaise résidente au Maroc, Rita Zine, journaliste, Kenza Sefrioui, journaliste et éditrice, et Monsieur Hicham Houdaïfa, journaliste et éditeur. La première table ronde de l'après-midi a été consacrée à la présentation du livre « De Tétouan à Buenos Aires, épopée de l'histoire de l'immigration juive marocaine vers l'Amérique latine » en présence de l'auteur de l'ouvrage, Monsieur Zakaria Balga. Ce livre examine l'histoire de l'immigration des juifs marocains en Amérique latine, soulignant les différents facteurs et les particularités de ce mouvement migratoire en tant que phénomène unique dans l'histoire de l'immigration marocaine. Le rendez-vous de l'Agora sous le thème « Images du Maroc dans les études et les sources historiques, regards croisés » en collaboration avec l'Association marocaine pour la recherche historique. Cette rencontre a appelé les nombreuses sources et les écrits ayant consolidé l'image du Maroc à travers l'histoire, qu'elles soient étrangères telles que les discours colonialistes ou les correspondances des évangélisateurs, des orientalistes et des espions, ou des discours purement nationalistes. Cette agora a vu la participation de messieurs Mohamed Oubihi, Jilali El Adnani, Abdelaziz Tahiri, Khalid Ouassou. Monsieur Mohamed Saïd Mourtaji a modéré cette rencontre.